Si vous n'avez pas la santé que vous voulez, vous n'êtes pas dans l'état vibratoire d'une personne qui est tout le temps en bonne santé. Si vous n'avez pas la relation de couple que vous voulez, vous n'êtes pas dans l'état vibratoire d'une personne qui a des bonnes relations de couple. Si vous n'avez pas le business que vous voulez, vous n'êtes pas dans l'état vibratoire d'une personne qui a un business, etc., etc. Donc, tout ce que vous avez à faire, d'accord, c'est clarifier ce que vous voulez et posez-vous la question. Au lieu de constamment vous dire « Oui, mais Farida, je ne comprends pas, mais pourquoi je n'ai toujours pas la santé que je veux, mais pourquoi je n'ai toujours pas manifesté l'homme que je veux, mais pourquoi je n'ai toujours pas le chiffre d'affaires que je veux, et pourquoi ?» Pourquoi vous ne vous posez pas un autre type de question? Qui je dois devenir pour être tout le temps en santé? Ah! Qui je dois devenir pour manifester l'homme de ma vie, la femme de ma vie? Qui je dois devenir pour manifester un business prospère? Qui je dois devenir pour manifester plus de clients dans mon business? Etc., etc. Vous voyez que ces deux questions ont deux énergies différentes, mais pourquoi ça ne marche pas avec moi? Et qui je dois devenir pour que ça marche tout le temps avec moi? Est-ce que vous faites l'exercice vous-même? Posez-vous la question, mais pourquoi ça ne marche pas? Et ressentez dans votre corps, puisque c'est ça l'énergie, hein? Ressentez dans votre corps l'énergie. Et posez-vous maintenant la question différemment, qui je dois devenir pour avoir ce que je veux? Et dites-moi si vous ressentez. Donc, question, est-ce que le fait de regarder des vidéos inspirantes sur YouTube, interview de Michelle Obama, Oprah, Steve Harvey, peut coter en tant que développement personnel? Tout dépend, quelle est ton intention en regardant? Tu regardes ça pour te distraire? Voilà comment quand je regarde ce genre de choses, puisque justement, j'ai regardé quelques vidéos de Michelle Obama puisqu'elle a sorti son livre et qu'il était prévu que j'aille la voir, mais bon, ça ne va pas se faire. Quand vous écoutez ces personnes inspirantes, qu'est-ce que vous voulez? Rappelez-vous, la question que je viens de vous poser, quelle personne je dois devenir pour avoir la santé, le couple, l'argent, les finances, la spiritualité que je veux? Donc, quand vous écoutez une personne qui a déjà ce que vous voulez, écoutez ce qu'elle dit, écoutez quelles sont ses pensées, quelles sont ses croyances qu'elle a. Comment elle fonctionne? Moi, c'est ça que j'écoute, en fait. Fondamentalement, je m'en fous de Michelle Obama ou d'Oprah. Fondamentalement. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de dire, tiens, comment elle pense? Comment elle fonctionne? Quelles sont ses habitudes? Qu'est-ce qu'elle fait? Tiens, quand vous écoutez l'interview de Michelle Obama, elle vous dit, à un moment donné, Barack et moi, on a eu des problèmes et on a fait une thérapie. Donc, si aujourd'hui, vous êtes en difficulté dans votre couple, ce n'est pas une tare d'aller faire une thérapie de couple, en fait. Donc, c'est bien beau de voir des belles vidéos de Barack où il fait des belles déclarations à sa femme, mais il faut savoir qu'ils n'en sont pas arrivés comme ça juste par magie. Fondamentalement, posez-vous la question. Vous êtes allé à l'école pour apprendre beaucoup de choses. On a passé combien d'années à l'école? Quand on pense au primaire, au secondaire, à toutes nos études supérieures, où on nous apprend plein de choses pour la finalité qu'on ait un job, pour beaucoup d'entre certains, 80% des gens, les statistiques donnent, sont désengagés au travail, mais il n'y a pas d'école où tu vas aller tous les jours pour apprendre comment réussir ton mariage, pour apprendre comment être un bon parent, pour apprendre à bien gérer tes finances. Vous vous rendez compte que les choses les plus fondamentales et structurantes de notre vie, la santé, l'amour, les enfants et les finances, on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas. Mais par contre, on va passer 20 ans, 18 ans d'études, des bacs plus, pour nous apprendre des choses, pour soi-disant être un bon salarié. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Donc, quand vous écoutez ce type de personne, ça vous inspire, mais essayez d'aller au-delà. Et moi, chaque fois, quand j'écoute, j'ai une feuille, un stylo et je vais noter, tiens, ça peut être important, ça peut être intéressant.
Et après, j'ai mes notes et je travaille mes notes. Il ne faut pas juste écouter, il faut travailler vos notes et vous poser la question, qu'est-ce que je mets en application? D'accord? Donc, vous avez fait l'exercice, la formulation négative nous laisse sur place. Exactement, vous n'allez nulle part. À l'inverse, dans la formulation positive, je ressens plus l'énergie du mouvement, l'envie de trouver les actions qui vont me guider vers cet objectif. Donc, petite astuce supplémentaire, quand vous rajoutez, maintenant, vous prenez la question, qui je dois devenir pour être cette personne qui réussit, pour être cette personne qui vit une belle relation harmonieuse, pour être cette bonne mère, pour cette femme extraordinaire, cette femme d'affaires extraordinaire. Vous posez la question sur une feuille, vous prenez vos stylos et vous vous laissez juste guider et vous notez toutes les idées. Vous avez déjà un plan d'action qui vient. D'accord? Donc, comment les éviter? Première étape, avoir un système. Je vous parle du système encore et encore et encore. Si vous n'avez pas de système, vous n'allez pas y avoir. Parce que comment vous seul, vous voulez combattre plus de 100 voleurs en même temps? Entre la jalousie, l'envie, la procrastination, la fatigue, la confusion, la démotivation, etc., le découragement. Parce que tous ces voleurs de réussite, ils sont là continuellement et ça demande une énergie folle. Ça demande trop d'énergie. Par contre, quand j'ai un système et que je me dis, tu sais quoi, tous les jours, tu lis un peu, tu écoutes un peu des audios, tu travailles tes vidéos, tu as ton coach, etc. J'ai un système en fait. Et les croyances limitantes sur lesquelles je dois travailler, elles vont se manifester dans le processus. C'est tout en fait. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des croyances limitantes. Non, celles, ce sur quoi je vais devoir travailler vont se manifester quand je vais dans cette direction d'atteindre mes objectifs. Mais si vous n'avez pas d'objectifs sur lesquels vous travaillez, vos croyances limitantes ne vont pas se manifester. Ou vous n'aurez pas l'énergie de dépasser vos blocages. Donc, ayez un système. Ensuite, évitez les environnements toxiques. Ne restez pas avec des personnes qui, vous savez, d'avance vont vous décourager, vont vous tirer vers le bas. Ça ne sert à rien. Et si vous dites, oui, mais Farida, où est-ce que je trouve des personnes positives qui vont me soutenir? Ben là, coco, cocotte. C'est là où vous trouvez, vous nouez des relations. Le prochain séminaire que je vais faire, ça va être le 9 mars. Laisse rayonner ta confiance. Venez au séminaire. Rejoignez le mastermind. Parce que deux fois par mois, on se parle. Vous avez l'opportunité d'échanger, de partager. Mais si vous ne savez pas où trouver les personnes, elles sont là déjà. D'accord? Ensuite, disciplinez vos pensées. Restez vraiment, faites en sorte de pensez à ce que vous pensez. Pensez à ce que vous pensez à chaque fois. Quelles sont les images que vous avez là? À quoi vous pensez? Vous êtes en train de penser, oh là là, je ne vais pas avoir le temps de finir, oh là là, mais ça va me coûter de l'argent. Non, parce que chaque fois que vos pensées, soit elles sont dans une énergie positive, soit elles sont dans une énergie négative. Quand vous pensez à toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire les choses, vous êtes dans le manque. Et donc, quand c'est comme ça, vous changez la question. OK, qu'est-ce que je dois faire pour être dans l'abondance? Qu'est-ce que je dois faire pour me rappeler que je suis dans l'abondance? Et après, bah, allez réécouter tous les précédents SLM avec toutes les techniques, les stratégies, les outils, les process que je vous ai déjà partagés et vous les mettez en application. OK? Et dernier élément, l'action. Comment éviter les voleurs de réussite? Rappelez-vous, je vous ai dit quoi? Les voleurs de réussite, ils vont vous voler vos ressources, vos idées, votre temps, votre énergie, votre argent. Combien d'entre vous, vous savez exactement quoi faire pour être en bonne santé? Vous savez exactement quoi faire pour créer un couple harmonieux? Vous savez exactement quoi faire pour être une excellente mère? Vous savez exactement quoi faire pour réussir dans les affaires? Vous savez exactement quoi faire pour mieux gérer vos finances? Sauf que vous avez laissé vos idées au stade d'idées. Vous ne les avez pas plantées, vous ne les nourrissez pas, vous ne les faites pas germer, vous ne permettez pas à ces idées, à ces graines
de sortir. Et donc, si ces graines ne sortent pas, si vous ne passez pas à l'action, rien ne va se passer. Donc, chaque fois que vous avez des idées, notez-les et ensuite posez-vous la question, comment j'actionne, comment j'active cette idée-là? Parce que sinon, s'il n'y a pas d'action, rien ne va se passer. Vous voulez plus d'argent, mais l'argent, c'est quoi? L'argent, ce sont juste des idées. C'est comment je passe à une idée que je la monétise, point barre. Et là, j'ai une personne, ben voilà, c'est ce qu'elle a eu, on a échangé, et puis ça lui a donné des idées, et maintenant elle s'est dit, ah ben tiens, ben cette idée-là, comment je vais la monétiser pour que ça me rapporte de l'argent? Donc quand vous dites, oui, mais je n'ai pas d'argent ou je ne gagne pas beaucoup d'argent, non, c'est juste que vous n'avez pas d'idées, vous n'avez pas suffisamment d'idées. Donc apprenez à cultiver vos idées, à poser vos idées sur papier et surtout à passer à l'action. D'accord? Donc, je vous ai donné 4 stratégies, en fait. Mais finalement, et on va rentrer dans le détail, hein, donc je vous ai dit, ayez un système, évitez les environnements toxiques, disciplinez vos pensées, passez à l'action. Et donc, pour cette troisième partie, finalement, c'est la stratégie numéro 1. D'accord? C'est le système. C'est le système. Et avec le mastermind, vous avez accès à tout ça. Vous avez accès à tout ça. Donc, question. Farida, est-ce que le fait d'être en action massive quotidienne permet d'éliminer les voleurs? Donc, la question, c'est action massive, profitable ou non profitable? Tu peux être... Regardez, il ne faut pas confondre activité et accomplissement. Il y en a qui sont occupés toute la journée et ils n'avancent pas. Rappelez-vous la fameuse règle. Est-ce que tu es dans les 20% d'actions qui te rapportent 80% de tes résultats? Il n'y a que ça qui compte, en fait. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Les personnes, tout à l'heure, ont parlé de Steve Harvey, qu'on va voir d'ailleurs à Miami. Steve Harvey, Oprah, Michelle Obama, vous parliez de toutes ces personnes tout à l'heure. Elles ont 24 heures comme nous. D'accord? Qu'est-ce qui font que leurs résultats sont différents des nôtres? C'est la qualité de leurs actions. D'accord? Donc, c'est pour ça, quand vous mettez de la clarté, de l'ordre dans votre esprit, que vous éliminez le doute, la confusion et tout, les bonnes actions vont vous venir. Moi, je préfère rester toute la journée à m'aligner, à mettre de la clarté, à faire mon développement personnel parce que je sais que, OK, à 16 heures, quand je passe une action, là, boum! C'est une action tellement puissante que, voilà, elle me rapporte ce que je veux. Elle me rapporte de l'argent. C'est comme ça que vous devez vous focaliser. Ne faites pas des actions juste pour dire que vous êtes busy, occupé. Oh, mais je suis submergée, j'ai tellement de choses à faire. Non! Posez des actions efficaces, rentables, profitables. D'accord? Mais c'est déjà un bon début. Je préfère à la limite, au départ, faire plus d'actions que pas du tout. Parce qu'après, il y en a qui sont là en train de se dire que soi-disant, ils méditent toute la journée, mais ils ne font rien, ils procrastinent. D'accord? Donc, la stratégie numéro 1. Donc, pour cette troisième partie, vraiment comprendre pourquoi avoir un système, qu'est-ce que ça va changer? Ça va vous permettre de renforcer vos pensées positives. Est-ce que vous... Regardez, là, on a passé une heure ensemble. Combien d'entre vous trouvez que ça vous a permis de renforcer vos pensées positives et de vous alléger un peu plus de vos pensées négatives? Dites-le. Combien d'entre vous? OK? Donc, c'est ça, en fait. C'est que chaque fois que vous vous mettez en immersion, que vous écoutez des audios, que vous lisez, ça vous oblige à vous focaliser sur vos pensées positives. Parce que tout ce qu'on a dans notre tête n'est pas forcément positif. Et je vous le dis, hein, je ne parle que du vécu, je ne vous parle que de mon expérience, pas pour vous parler de moi, mais parce que c'est un chemin que je vis tous les jours. Tous les jours. Et chaque fois que je me suis mise en immersion, tout a été exponentiel. Et c'est ce que je veux pour vous. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, qu'une partie comme ils disent, que uniquement 10% de la population soit réellement heureuse, épanouie et ait accès à tout ce qu'elle veut.
et 90% galèrent. Non, j'ai choisi de faire partie de ces 10% et je me donne les moyens. Donc, posez-vous la question, quel système aujourd'hui j'ai pour rester dans cet état de pensée positive tout le temps? Quel système, deuxième étape, quel système j'ai pour passer à l'action? Quotidiennement. Et avec le mastermind, là en plus, c'est ce que j'ai mis en place là depuis quelques jours, enfin depuis le dernier mastermind qu'on a fait, de vous mettre dans l'action tous les jours en vous posant des questions. Parce que certains d'entre vous, on n'a pas, j'ai envie de dire, on est tous intelligents, mais on a tous des intelligences différentes. D'accord? Certains, vous êtes très logiques en fait. Et donc, vous pouvez avancer en toute autonomie. Certains, vous avez une intelligence créative ou une intelligence émotionnelle, mais vous n'avez peut-être pas une intelligence des situations, vous n'avez peut-être pas une intelligence des affaires. D'accord? Donc, moi, ce que je fais en fait maintenant, ce que j'ai décidé pour le mastermind, c'est vous canaliser au quotidien. Comme ça, maintenant, vous savez quoi faire, vous savez ce sur quoi vous focalisez et vous savez vraiment les étapes que vous avez manquées. Mais rappelez-vous, moi, j'aime la méthode. Donc, quand vous avez compris comment ça fonctionne pour un domaine, tout ce que vous avez à faire, c'est dupliquer pour le même domaine. Parce que c'est la même personne qui veut une santé, l'amour, les finances, la spiritualité, la joie, le bonheur, etc. Donc, après, c'est juste une question de duplication. D'accord? Et dernière étape, vous avez le système va vous permettre d'identifier vos pensées limitantes. Et ça commence par où? Ça commence par vos rêves. Posez-vous la question, refaisons l'exercice, d'accord? Quand vous posez la question, qui je dois devenir pour être cette personne qui atteint cet objectif? Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui m'en empêche réellement? Et prenez une feuille, un stylo et marquez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Et vous allez voir que vos pensées limitantes vont venir comme ça. « Ah, mais je n'ai pas l'argent, mais je ne peux pas y arriver, etc. » Mais non, ce n'est pas vrai en fait. Donc oui, quand on travaille en individuel, et parce que j'ai développé cette expertise à force de faire des sessions et des sessions, je vais vous montrer d'autres choses. Mais vous, déjà en toute autonomie, vous devez faire ce travail-là. Donc, le système, c'est quoi? C'est d'avoir des rêves. Mais pas juste d'avoir des rêves pour avoir des rêves. C'est que vous avez un objectif que vous êtes fixé. Et donc, j'espère que ceux qui sont dans le MMA, là, vous avez rempli votre tracker que je vous ai envoyé. Comme ça, lundi, on va voir où est-ce que vous en êtes. Parce que certains d'entre vous, vous vous cachez, en fait. Donc, vous dites que vous avez des objectifs, mais vous n'êtes pas focalisé dessus. Et comme ça, voilà, là, ça va être du coaching laser, là. Je vous ai dit, 2019, je veux vraiment que le taux de succès augmente encore plus et de manière beaucoup plus fulgurante. Mais vous devez suivre les choses. Donc, Maïka va vous poster le lien pour vous inscrire au mastermind et tout. Donc, prochaine session, lundi, 18h30, 19h30. Et vraiment... Très peu de coachs vont vous accompagner comme ça au quotidien. Mais vous devez le faire. Vous devez le faire. Et chacun, vous savez le faire. Vous êtes très autonome pour le faire. Continuez comme ça. Mais ceux qui ont besoin de cette guidance, profitez-en. Moi, ça a tout changé en fait. Je suis devenue la reine de l'auto-coaching. Mais je m'auto-coach avec une précision. Et donc, quand je prends maintenant un coach avec moi, c'est juste parce qu'à un moment donné, je sais que je suis arrivée à mes limites, que j'ai fait tout ce que je pouvais faire moi-même et que là, je veux multiplier mes résultats par 10, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette phase de transmission, d'accord? Et après, il y a toute la phase d'intégration et on en a parlé tout à l'heure. Donc... Vous avez tout maintenant pour éviter les voleurs de réussite. 2019 a le potentiel pour chacun d'entre nous d'être une année miraculeuse, fabuleuse, extraordinaire, quelque chose qu'on n'a jamais vécu jusqu'à présent. Mais tout ça, ça doit commencer parce que vous avez décidé qu'il y a une chose que vous avez réellement envie de voir se réaliser cette année. Et vous mettez toute votre énergie, toute votre attention, toutes vos actions par rapport à ça.
Et si vous vous challengez, faites les choses dont vous avez peur. Il est encore temps de venir avec nous à Miami dans quelques semaines. Challengez-vous, ne laissez pas la peur, l'argent, les situations vous empêcher de vivre parce que vous allez voir. Je ne serai pas la même personne. Dans 3 semaines, toutes les personnes qui vont revenir de Miami, on sera différentes. Parce qu'en plus, entre déjà l'événement, je sais qu'il va nous transformer, mais ce que j'ai vécu l'an dernier et l'intention avec laquelle je vais cette année, elle est encore plus puissante. Mais tout va être différent pour chacun d'entre nous. Donc oui, c'est un investissement de temps, d'énergie, d'argent. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On va être 25 000 personnes, ça va être énorme, ça va être totalement différent de ce qu'on a vécu l'an dernier. Mais je vous garantis, 31 décembre 2019, quand vous allez faire le bilan de votre année, ça va être incroyable. Pourquoi? Parce que vous allez suivre à la lettre. Vous allez être coachable. Si vous n'avez qu'une seule chose à faire, travaillez votre indice d'enseignabilité. Soyez coachable. Faites ce que je vous... Faites, si vous mettez en application les recommandations là, moi, je vous garantis, c'est vous qui allez m'appeler, me dire, Farida, waouh, ça, exactement ce que tu m'avais dit, le miracle s'est produit dans ma vie. Peu importe celui que vous voulez. Peu importe celui que vous voulez. C'est tout à fait possible. Maintenant, à vous de jouer. Je vous retrouve mercredi prochain, même heure, même endroit. Je me suis un peu laissée embarquer dans l'enthousiasme, donc ça a largement débordé. Mais je pense que ça valait le coup et qu'on avait tous besoin, vous comme moi, de ce bon rappel qu'il est temps de vivre notre vie de rêve. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez des questions, postez-les sur Facebook, comme ça j'y répondrai. Et retrouvons-nous dans le Mastermind lundi 18h30, 19h30. Bye bye!